Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, ça y est, je teste un peu le Graal. Un grand merci à Morbihan Moto de pouvoir me prêter cette folie. Et ouais les gars, je pense que vous avez déjà vu le teaser. Je suis sur la H2 les gars, ça y est, la H2, celle qui fait rêver tant de monde. Hop, 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 hop. Déjà, pour commencer, faut savoir que c'est le modèle 2016. Ça y est, donc le modèle avec le compresseur. Celle-ci fait 210 chevaux, mais pas 210 chevaux normaux. Ceux-là sont complètement boostés à la caféine parce que vous avez un petit compresseur des familles qui vous permet d'avoir la disponibilité. Oh là 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 là. Oh. Là, ils vous ont fait une. Ils vous ont fait vraiment une bête de course, hein. Sérieusement. Donc, nous sommes sur la Kawasaki H2. Oh là là là, un train à vent, mon gars, mais laisse tomber. Hein. Wow. Wow. Ce modèle-là fait 238 kg à peu près. 238 kg tout plein fait. En termes de poids, c'est quasiment aussi lourd finalement qu'un Baking 1340. Mais par contre, là, on est vraiment sur quelque chose de radical. La position de conduite, au début, me paraissait un peu gênante, mais au final, on est même moins bien assis sur une Ducati que sur la H2. Enfin, en termes de position de conduite, je parle. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on soit pas non plus en mode crapaud. Vous voyez, je fais 1m90 et je me sens plutôt bien à son guidon. J'ai pas mal au poignet. Ça se conduit, vous allez voir, ça se conduit vraiment tout seul. Hein. C'est hallucinant. C'est pas une moto à mettre entre toutes les mains, ça je vous le dis direct. Donc dessus, vous avez donc ce modèle-là, bien entendu un compresseur. Je sais pas encore ce que ça donne, j'ai pas encore accéléré en grand. Mais je pense que ça peut être assez phénoménal. Là, je suis en première. Vous attendez le bruit en dessous, c'est le compresseur. Bon allez, accroche-toi, Puma, bordel. Oh la vache! Oh la vache! Oh pardon! Oh là là! Oh, oh Mazette! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ah ouais, on m'avait pas prévenu que ça fait comme ça! Oh là là! Oh, il y a un truc que j'adore par contre, c'est sur le contour, vous voyez? Vous avez les chiffres qui s'allument au fur et à mesure. Donc 1000 tours, 2000 tours, 3000, 4000, 5000, etc. C'est génial. Là-dessus, vous avez un shifter en montée. C'est plutôt pas mal quand tu accélères. Oh là là. Oh, c'est un rail. Oh la vache le... Oh, tu prends un coup de pied au cul, mais phénoménal. Ah mais tu prends un de ces coups de pied au cul, mais c'est n'importe quoi. Eh mais je suis même pas à 10 000. Ah c'est pas... Eh c'est le même constat que la RSV4, hein. Ça c'est quasi inexploitable sur route ouverte. Hein. Ça repart même plutôt pas mal, je suis en quatrième. Alors dessus par contre vous avez des sortes de petits, des petits points. Le boost, alors le boost c'est par rapport au compresseur, vous avez le compresseur, vous avez une sorte de petites points qui font que plus vous avez de points, plus vous avez le compresseur qui se met en route. C'est impressionnant, eh mais je te jure, elle est folle cette bécane. Hein. Même avec 240 kg, je pense que sur piste ça doit être un gros régal, même si je sais que dans les tests elle se fait bouffer par de la S-Miller, elle se fait bouffer par de la Ducati ou autre. Mais après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Ça, c'est un peu une bécane pour l'exclusivité. Le fait d'avoir une bécane vraiment qui sort de l'ordinaire, on se sent vraiment bien à son guidon. Hein. Et le freinage, oh là 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 là! C'est dingue! J'adore le. Je sais pas si vous entendez le petit bruit du compresseur. C'est abusé hein. Hey, tu prends un coup de pied au cul à chaque accélération hein.
Oh la vache. Alors là-dessus, vous avez plusieurs choses sur le tableau de bord. Alors en termes de tableau de bord dessus, il faut savoir que celui-là, il y a quand même plus complet et plus lisible. Mais après, quand tu conduis une moto comme ça, tu regardes pas le compteur, tu regardes surtout la route et les virages qui arrivent très vite. Ah, le shifter, c'est génial. Le compteur, en fait, c'est tout bête. Vous avez pas mal d'informations dessus. Ils ont repris un peu le même système finalement que j'ai l'impression que la XSR. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le rond en fait du compteur pour venir mettre tout ce qui est clignotant, témoin de réserve, toutes ces informations-là. Vous avez un rapport de vitesse engagé en plein milieu. Le petit boost marqué juste au-dessus qui vous donne pas mal d'informations. Après, sur cette moto-là, vous avez ce qu'on appelle... Alors, faut savoir, bon, là, en fait, je me souviens plus trop. Je vais peut-être me tromper dans les deux termes. Si c'est l'un, c'est pas... Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Vous avez deux modes, enfin, deux systèmes sur cette moto. Vous avez ce qu'on appelle le KEBC et le KQS. En fait, il y en a un. Il y a un des modes qui permet, en fait, finalement, de permettre à la H2 d'avoir moins de freins moteurs quand on décélère, c'est-à-dire qu'au lieu de couper les papillons, elle laisse les papillons un petit peu ouverts, ce qui permet d'avoir moins de freins moteurs quand on veut arriver dans une courbe et de permettre d'ouvrir en grand plus facilement. Et après, vous avez le mode donc traction control où vous avez trois modes. Et sur ces trois modes-là, dans chaque mode, vous avez trois possibilités de réglage. Donc c'est-à-dire si vous vous mettez en traction control 1, vous pouvez régler dans le traction control 1 jusqu'à 3 puissances. Donc ça vous fait en tout 9 possibilités, plus le mode pluie, ça vous fait 10 possibilités. Et bien entendu, on peut désactiver ça aussi, mais ça sert à rien, c'est une moto qui partirait en wheeling tout de suite. Je sais pas si vous entendez le bruit, on a l'impression qu'il y a des shurikens en dessous qui se baladent. Non, en fait, c'est le compresseur qui fait ce bruit-là. Je vais m'arrêter comme d'habitude sur le petit tour. Cette bécane-là, en fait, en France, il en reste plus beaucoup parce que c'est des motos assez rares hein, quand même, des H2. Je veux dire, par là, c'est la première fois que j'en croise une et c'est surtout la première fois où je suis dessus. Et là, c'est quand même assez impressionnant quand même. Donc dessus, vous avez un shifter en montée et non pas un shifter en descente. Après, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il a le système d'ABS adaptatif, comme je l'appelle. Je sais pas si c'est vraiment le... Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais... C'est un moteur super souple en dessous de 6000. Après 6000, tu t'arraches les bras. J'ai pas encore vu la zone rouge. Hein. Oh la vache! Oh la vache! Oh là 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 là! Alors, boîte 6 vitesses. Alors, autre chose, là-dessus, vous avez l'amortisseur de direction qui est ici, qui est électronique. C'est-à-dire que plus vous allez rouler vite et plus il va se durcir et donner justement une direction un peu plus ferme, un peu moins volage. Mais j'ai bien l'impression que cet amorto de direction, il est en constante PLS parce que... oh là 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 là. Donc là-dessus, on a sorti l'échappement Acra siglé H2R. Je vous montrerai, elle est vraiment sublime. Et par contre, le freinage, il est complètement malade. Hein. Oh. Et le freinage. Oh, oh là 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 là. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. T'es en 3, tranquille. Oh. Oh, oh. Oh le compresseur, c'est génial le bruit. T'as l'impression d'être sur une S2000 avec un dumb valve. Je vais m'arrêter après bientôt pour faire un tour de la bécane. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, en fait, on ressent pas tellement le poids. Le train avant, il est ultra précis. Et le freinage, mais le freinage, mon gars, tu peux freiner à un doigt tranquillement. J'accélère pas trop fort en cours parce que comme vous voyez, le sol, il est à moitié mitigé. Oh là là. Ah, tu prends un coup de pied au cul, mais c'est abusé. Elle est dingue cette moto. Donc bien entendu, je pense que c'est pas une de place, hein, les gars. Hein. Ça c'est une moto de célib. C'est vrai que par contre, au final, j'ai l'impression qu'elle a une tête de sportive, mais finalement, la prise au vent t'en prend vraiment plein la gueule. Hein.
T'as pas l'impression d'être vraiment bien protégé par rapport à la bulle. La bulle, elle sert quasiment à rien. Je pense qu'elle doit servir vraiment quand t'es au taquet sur piste, vraiment calé derrière, en mode tu hurles tout ce que tu peux. Vous entendez le compresseur quand on décélère? Donc bien entendu, amortisseur de fourche avant et l'amortisseur arrière réglable en contrainte, en pré-contrainte, enfin tout ce que vous voulez. Là, je suis en train de réaliser quelque chose que peu de personnes ont eu la chance de faire. Et un grand merci, un grand grand merci à Morbihan Moto parce que c'est vraiment exceptionnel. Bon allez, je vais peut-être aller me mettre à droite. On va aller là, ah bah non, c'est un chemin en terre. On va éviter, c'est pas une crosse, hein. Eh, vous savez quoi? On va faire le test devant des chevaux. Coucou les chevaux. Ah voilà, impec, on la garde. Alors vous voyez là le point mort, j'ai trouvé, sauf c'est un gros coup de chance hein, parce que cette moto là, la boîte de vitesse, elle est ultra souple. Ça passe super bien. Le seul gros point faible de la boîte, c'est de trouver le neutre. J'ai regardé juste avant en fait un test sur le net et le mec me disait en fait de passer d'abord la 2 pour redescendre ensuite au neutre. C'est beaucoup plus simple. Je l'ai fait et en effet ça fonctionne mieux. Waouh, vache. Et voici donc la sublime Ninja H2 de chez Kawasaki. Je reprends mon souffle. Elle est complètement dingue. Donc bien entendu, avec une couleur chrome superbe, magnifique. Avec le petit logo des familles Supercharged, donc le compresseur. Regardez-moi ce pot qui bleuit. Donc on est sur le pot, bien entendu, à Cracovie. Il est Ninja H2, comme vous pouvez le voir. Putain, je reprends mon souffle, elle est dingue cette moto. Monobras avec des jantes vraiment sympathiques. Et là, là vous avez quelque chose qui vous arrache les bras, mais un truc de ouf. On est sur des étriers radial, double piston Brembo à l'avant. Et on est sur du quoi à l'arrière? À l'arrière, on est sur du... En arrière, on est sur du Brembo aussi. Bah, je vous laisse... je ne dis rien. Je vous laisse juste admirer la vue. Matez-moi comment elle est magnifique. Elle est folle. Et comme on peut voir, les gens d'avant ont fait de la piste. Hein, ils se sont amusés avec. Bah, tu m'étonnes qu'ils se sont amusés avec. Il y a de quoi, hein? Il y a de quoi. Ah, j'avais pas vu clignotant donc dans les rétroviseurs. À l'avant, je vais vous montrer, vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer l'arrière. Petit floutage des familles. Donc voilà l'arrière. La bavette, bien entendu, est vraiment très moche, hein, comme toutes les bavettes. Le pot a la chicane. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Le système ici pour venir régler. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, hein, le système ici qui permet de tenir vos fesses à l'arrière, en fait, pour éviter de partir tout derrière quand on accélère, je crois que c'est réglable, en fait. Je crois, si je dis pas de conneries. Je vais vous montrer, vous allez voir une fois. Le compteur, il est beau quand il s'allume. Regardez ça. Voilà. Les deux petites aides à l'avant, feu lenticulaire, LED lenticulaire. Je ne sais plus. Oh, de toute façon, je suis pas là pour vous donner des informations. Vous avez toutes les notes techniques sur le net. C'est juste un gros kiff de conduire une bécane comme ça. Bon, allez, on repart. Bon, langue de braquage, bien entendu, hein, c'est sportif. Hein, donc, même Maïté fait mieux avec son caddie à Lidl. Bon, les petits gravillons, on fait gaffe. Hop. Voilà. Vous entendez le... Le rugissement. Allez, on repart. Oh là là. Oh la vache. Wouhouhou. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que les suspensions ne plongent pas beaucoup. On sent vraiment une progressivité dans les suspensions. On n'est pas là en train de freiner et de descendre de 5 étages. Oh la vache. Oh là 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 là. Tu prends cher. Oh ya 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 ya. Alors la boîte est vraiment super souple. Je la trouve vraiment super souple. Et le pot à cran, même avec la chicane, ça chante pas mal. Hein. Là-dessus, il faut savoir que j'ai laissé le traction control à 2. Hein, parce que c'est pas que je veux faire le pilote. Parce que déjà que j'en suis pas un. Mais quand on prête un petit bijou comme ça, je suis pas sur piste. On va éviter de se faire des frayeurs.
Oh là 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 là! Mais tu prends, c'est un coup de fusil en fait, cette bécane. Ça, c'est ça en fait. C'est ça, c'est un coup de fusil en fait. Dès que tu ouvres les gaz, t'as l'impression d'être accroché à une balle de fusil. Hop, petit gravillon. Oh là 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 là. Oh la vache! Oh là 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 là. Mais t'as vu comment elle réagit, mais c'est abusé! Faut être souple sur la poignée, hein, je vous le dis les gars. Allez, génial ce meule. Franchement, même si les S-Miller et autres peuvent la démonter sur piste, c'est un régal. Oh là 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 là! Hop, j'ai vu la voiture jaune. Et si tu te mets bien en arrière avec les fesses qui touchent le système en bas, ça fait quoi? Oh la vache! L'avion de chasse, c'est un missile! C'est un missile! C'est un missile sol-sol! Oh là là, ça sent le purin ici, bordel. Oh, elle est géniale. Hé, j'ai exactement le même constat. Et j'ai pas... Attends, c'est vrai, c'est pas la H2R. Là, t'as pas 300 chevaux. Là, t'as 210 chevaux, là. Mais même ça, mon gars, même ça, ça n'a rien à foutre sur la route. Elle est folle, cette moto. Oh, on attend 22 secondes, on va se reposer les bras. Vous voyez, on se met en deux et on descend un petit cran. Voilà. Ouah, mais bras. Bien entendu, ça marche au nitro. Hein. 98, on oublie. En fait, la une, tu peux rien faire. C'est saute-mouton, la une. C'est saute-mouton, la une. Bon, la 2, c'est pareil. La 3, pareil. Hein. Bon, les gens, j'avais pas beaucoup de temps pour ce test-là. Parce qu'après, elle est demandée. Donc, je vais aller la rendre. Un énorme merci à Morbihan Moto de me prêter cette bécane, parce que je sais que là j'ai vraiment eu de la chance énorme, c'est abusé. J'espère que ce mini test en mode Puma vous aura plu. Moi je vous jure que avec le test du Baking hier et avec le test de l'âge d'aujourd'hui, il va peut-être falloir que j'aille contacter Thibaut InShape pour me faire les bras, parce que c'est abusé. Hein. Sur ce les gens, prenez soin de vous. Moi, j'ai soufflé. Moi, je vous laisse. À très vite pour de nouveaux tests. Allez, ciao, ciao. Bisous tout le monde. Et équipez-vous.